À toutes et à tous, ici c'est SoGaming4800 pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un tout petit peu spéciale car c'est la présentation de notre serveur PandaCraft où vous pourrez maintenant avoir accès. Donc voici le spawn, c'est un panda. Donc voilà, bienvenue à toi sur notre serveur PandaCraft. Les règles sont ici, donc à votre droite. On va aller voir les règles. Donc voilà. Bonjour à toi, nouveau joueur de PandaCraft. Ce mur est l'un des murs du règlement. Il n'est pas fait pour t'embêter, quoique, il servira à ce que les bonnes ententes règnent. Enfin, la bonne entente règne. Donc, première règle, insultes ou propos racistes ne sont pas tolérés. Deuxième, dans la map survie, on évite le grief. Donc, si quelqu'un crée une maison ou autre, essayez quand même pas de la péter, ce serait sympa. Même si nous ne sommes pas tenus responsables de tous les vols qui sont pas dans les zones sécurisées, donc dans la map survie, ce sera pas notre faute, désolé. Donc ça c'est la règle 3. 4. Ça ne sert à rien d'essayer de PVP ici. Il y a des maps exprès pour le PVP. Exemple SG Joie, ça c'est pour les Survival Games. War Hub, c'est pour se battre. Vous contre des joueurs hein, aussi, c'est pas survival game, c'est équipe contre équipe. Et Majoué, ça c'est du RP, donc c'est contre des mobs. Cinquième règle, en PVP, les dégâts reco pour éviter de mourir ne sont pas tolérés. Faites un scream et donnez-le à un admin. Skype, Nicopat, donc c'est moi, souris 992. Si un fondateur ne vous répond pas, veuillez être compréhensif, ne le pas flou, d'envoyer Skype un message, c'est mieux. 7. Flou d'écrire pour rien dire, non autorisé, ça veut dire sale flou, et tout cheat est interdit, l'anti-cheat ban direct. Donc voilà. Pour les jobs, donc pour les jobs, vous faites ça, jobs browse pour la liste des jobs, donc vous verrez toute la liste des jobs. Donc je vais ici mettre browse. Donc, vous voyez, il y a quelques jobs. Bûcheron, mineur, terrassier, fermier, chasseur, pêcheur, forgeron, alchimiste et enchanteur. Pour jouer dans le job, il suffit de faire slash job joie et puis jouer le job. Et pour le partir du job, slash job leave, puis le nom du job. Max 2 jobs par joueur. Donc, de toute façon, même si vous pouvez essayer de rejoindre un autre job en plus, ça, vous n'y arriverez pas. Donc ici la construction du panda c'est faite par Emiaskai. Je le remercie amplement d'avoir fait ce beau panda. Je vais vous montrer plus tard. Donc je tiens à vous remettre la bienvenue sur notre serveur. Voici le tableau du staff, etc. Les joueurs VIP ou premium seront notés ici. Donc ça c'est mon Skype, ma chaîne YouTube, mon Twitter et mon Facebook. Donc le staff fondateur y a moi, Modo, Noé, Gilles, Braille-Boss et Ernest. Quelques jeux. Mob Arena, donc ma joie pour rentrer, sortir ma live. Hunger Games, SG joie, sortir SG live. Et War PVP, War Up pour joie et live pour repartir. Donc on les testera ça après. Donc voici l'ascenseur, on va descendre. Hop, voilà. Donc je vais vous montrer un tout petit peu les portails. Donc on a le portail de la map ressources, portail Hunger Games. Un portail War PVP, donc ça c'est comme si vous c'est le War Hub, mais bon, en plus facile. Le village, donc il y a aussi le portail pour l'arène et pour le Nether. Celui-là il est activé, mais il n'est pas activé dans une autre map, donc en gros, il ne sert à rien d'être activé. Donc les portails sont derrière vous. Bonne aventure! Donc, voici le panda que Emi Sky a créé. Je le remercie amplement. Donc voici avec la muraille qu'elle a créée et les petites maisons VIP. J'espère qu'il vous plaît. Donc ici, voici le puits du tournement. Donc ce qui est bien ça, vous prenez un livre ici. Par exemple, hop. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous a grief, voilà, grief de la part de Noé Gilles. J'ai un screen, hop, voilà mon Skype, mon Skype.
Voilà, par exemple ceci. N'oubliez pas de signer pour que je sache c'est qui. Tête du livre, ben, grief, vu que c'est ceci, c'est un grief. Et hop, signé. Et vous l'envoyez dans le puits du tourment. Voilà. Et ceci sera récolté par un entonnoir pour moi. Et j'aurai le temps de lire tout ceci. Donc ceci, ce sera un shop pour vous, faire vos shops. Genre, c'est les shops avec un coffre et... Un coffre et une plaque au-dessus, donc vous mettez vos items, vous pourrez vendre. Soit vous pourrez faire ça là-dedans, ou soit vous pourrez le faire autre part, quoi. Donc, genre, je veux dire, dans votre maison ou devant votre maison ou autre. Donc, ici, voici la banque. Donc, c'est avec le temps que vous êtes connecté, vous rentrez dans la banque pour gagner de l'argent, bien sûr. Donc, vous rentrez, hop, ici, ça fait 120 minutes que je suis connecté. Donc je prends l'argent, j'ai eu 120 dollars, mais c'est des euros. Et pour voir votre argent, vous êtes slash monnaie. Donc voilà, moi j'ai 9199 en euros. Donc ça c'est une bibliothèque avec une table d'enchant ici, donc vous pourrez y aller faire vos enchantements audibles que vous n'avez pas de table d'enchant. Ici c'est un petit hôtel, donc vous me demandez une chambre et je vous en passe une. Tant qu'il y en a, bien sûr. Là c'est la prison, donc tous les joueurs qui... feront des conneries, etc. iront en prison. Donc 2 heures de prison, par exemple, je sais pas, vous allez grief, etc. Vous allez avoir 2 heures de prison. Puis plus tard, ce sera, si vous continuez après, bah c'est quoi encore? Pas 2 heures après, c'est 1 heure de ban. Et oh non, 2 heures de ban. Et puis après 24 heures de ban. Et après c'est ban définitif. Donc ici c'est le shop qui n'est pas encore tout à fait terminé. Je vais vous montrer un petit peu comment ça sert. Donc voilà. Ici vous venez ici. Ouais. Bon, les items ils sont partis. Ouais. Bon, on dirait qu'il y a un bug pour les items. Bon, c'est pas grave, ça je regarderai. Donc par exemple, si c'est la glowstone, ben, vous voulez acheter une glowstone. Vous faites, enfin là c'est, vous voyez le nombre 2, ça c'est le numéro de l'item, et ça c'est pour 100 dollars. Donc j'en achète moins 2, hop, je fais clic droit, et voilà, je les ai. Là je vais les revendre parce que moi j'en ai pas besoin. Hop, vous êtes obligé de les revendre par 2. Donc le petit shop qui va être terminé. Bon, c'est vraiment bizarre ça. Donc je vous ai montré un petit peu. Voici ici bah, encore les routes. Donc on va mettre le jour pour pas que ça vienne la nuit. Donc voici la fontaine que j'ai créée. Un point de vue du serveur quand les affaires ici seront créées. Donc ici c'est une écurie, mais on ne sait pas encore si vous allez pouvoir mettre toutes vos affaires ici ou pas. Ça c'est une tour Eiffel en cours de construction, bien sûr, parce que vous voyez que il n'y a que les 4 pieds qui sont commencés. Cette tour Eiffel sera construite par Ernest, modérateur. Ici, ce sera la route pour aller au village. Donc là, c'est un bateau en cours de construction aussi. Ouais, tout sera bientôt fini, vous ne tracassez pas. Donc là, on continue. Donc là, vous voyez que le chemin est même long en fly. Donc il y a un téléporteur, vous ne tracassez pas. Le téléporteur village, c'est pour vous téléporter directement ici. Vous voyez, là, il y a le téléporteur. Donc, voilà le village. Un terrain de 10 sur 10, ça coûte 10 000. Un terrain de 20 sur 20, ça coûte 20 000. Un terrain de 30 sur 30, ça coûte 30 000, etc., etc. Mais, bien sûr, l'argent n'est pas si dur à gagner avec les jobs. Donc, ici, voici ma maison avec Noé Gilles et Chacalito. Oh, ou Chacalito. Donc, voilà, si quelques maisons, je vais vous présenter, enfin quelques maisons vite fait. Voici la maison de Ernest Torche et XP14. Voici leur baraque. Donc, il y a encore quelques baraques, mais bon, voilà, je vais pas tout vous présenter, sinon ça va être un peu long. Donc, ça, c'est des petites baraques que vous pourrez louer au début, hein, bien sûr. Et puis tout le reste. Donc ici on va faire un SG, ouais. Donc
Voilà, ici quand vous faites SG Joie, vous êtes dans Hunger Games. Donc vous pouvez faire n'importe quel Hunger Games. Moi je vais rejouer, mais bien sûr je vais pas pouvoir jouer vu que je suis tout seul. Je vous referai une vidéo en jouant à ce jeu-là sur mon serveur et pour vous montrer. Donc il y a des quêtes, hein, vous choisissez. Bon, ça bug. Hop. Voilà, il repart. Donc vous pouvez mettre. Après vous courez, vous prenez les coffres et puis vous allez partir. Donc là je vais faire SG Leave parce que ça sert à rien que je reste. Donc si vous voulez faire du truc du PVP contre une équipe, c'est Warhub. Ici il n'y a qu'une arène en attendant, mais il va en avoir plusieurs bientôt. C'est juste le temps des créations. Donc voilà. Ça c'est le spawn du PVP. Donc Warhub. Hop. Donc Warzone Arcaden. Map MW3. Hein. 0 perreur sur 20, 2 teams. Donc hop. Donc voilà, vous pouvez choisir d'aller là ou là. Et puis vous rentrez bien sûr. Puis vous êtes dans le truc avec ceci. Une pioche. Une pelle. Mais bon, ça va être changé. J'aurai plus de trucs. Mince. Leaf. Donc après, on va faire Majoie. Ça, je vais vous montrer. Donc Majoie. C'est plugin avec bah, pour jouer avec les mob arena, hein, quoi, c'est mob arena. Donc il y a chevalier, donc armure en fer et épée en diams, bourret, armure en diams, épée en fer, archer, cuir, puis les flèches, etc. Chemiste, or, épée de poisson et pyromane. Donc là c'est un peu difficile. Bon, moi je vais faire vite fait ça pour vous montrer. Je ferai ma live, hein, bien sûr. Donc on attend qu'il spawn. Donc voilà, là il y a un zombie. Hop hop hop. Voilà, hâte-moi. Donc ça, les loups, on peut les laisser. Enfin, les chiens, on peut les laisser. Donc vous allez voir, au fur et à mesure des vagues, ça devient de plus en plus dur. Mais bien sûr, les vagues sont plus dures si vous êtes à plusieurs, il y a plus de mobs. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc vous devez tuer des mobs quoi. C'est un peu basique comme jeu. Donc on va faire ma life. Donc je pense que je vous ai presque tout présenté. Je vais quand même retourner au spawn pour vérifier. Donc web, ouais, il y a les shops que je dois terminer aussi. Là, je retourne ici. Ouais, donc vous savez, la bouffe à volonté. Hein? Bon, je vous ai pas dit que c'était de la bonne. Regardez ce que c'est. La viande des zombies. J'essaierai de changer ça parce que c'est quand on a créé qu'on a mis ça. Et ici, il y a des tables de craft. Donc l'arène, bah, j'y étais. Il y a le TP du Nether. Ça, bientôt, il sera ouvert. Il y a le panda futé. Voilà ce que je voulais voir. Donc dans le panda futé, il y a toutes les infos de la semaine. Par exemple, s'il y a un problème avec des personnes, quoi, on les met là. Et tout, bah, on vous expliquera tout ça en temps voulu. Donc la salle TP Village, War PVP, Hunger Games et la map ressources. Donc, une map basique, c'est juste une map où vous pouvez prendre vos ressources. Donc voilà, j'espère que ma vidéo de présentation de serveur vous aura plu. J'espère vous voir bientôt sur le serveur. Donc l'IP sera dans la description, bien sûr. Et bah, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous. Sick grass may be, but inside it's just a little empty. Oh, drop it. It's okay to say that a week's mine.